Sang de l'agneau. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. En tout cas, le Seigneur soit béni. Que le Machia Yeshua, Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, vous bénisse abondamment. Amen. Que son sang continue à nous purifier. Amen. Car le sang de Jésus-Christ, alléluia, coule, alléluia, dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Amen. Donc, ceux qui font partie de ces brebis, amen, qui entendent sa voix et qui pratiquent sa parole, ben, ce peuple exceptionnel, cette race, appelée la race élue, appelée aussi le sacerdoce royal, la prêtrise royale, est une race à part, exceptionnelle. Amen. Et cette race, amen, c'est une race qui vivra éternellement avec, bien sûr, Jésus-Christ, Yahushua, Amashia, Yesu, Massia, alléluia. Bien-aimés, le Seigneur est bon. Nous sommes aujourd'hui, je crois, le 4, dimanche 4 juin 2023. Par sa grâce, nous sommes vivants. Par sa grâce, on s'accroche. Par sa grâce, on persévère. Par sa grâce, il nous bénit. Il nous fortifie, il est là pour nous, même dans les épreuves, même dans les situations. Mon frère, ma sœur, ne baisse pas les bras. Amen. Car ta récompense, alléluia, sera grande en fait. Amen. Bien-aimés, le sang de l'agneau. Le sang le plus précieux de tous les sangs. Amen. C'est le sang de l'agneau immolé, Jésus-Christ. Alléluia, le Machia d'Israël. Oui, Yahushua Amashia. Amen. Qu'on appelle aussi
Oningala Yesu Masia, notre Seigneur Sauveur. Bien-aimé, persévère. Amen. Pourquoi? J'ai un verset en tête. Amen. Pour t'encourager, regardez. Prenons par exemple Apocalypse, regardez. Apocalypse 7. Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 7, à partir du verset. À partir du verset. À partir du verset. À partir du verset 10. Apocalypse 7, 10. Regardez ce qui est dit par rapport au sang de l'agneau, au sang du fils d'Elohim, au sang du fils de Dieu, Yahweh, le Père Céleste, le Créateur du ciel et de la terre. Voici ce qu'il dit. Et il crie à grande voix en disant, le salut est à notre Elohim, donc le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Verset 11, verset 7. Et tous les anges se tenaient debout autour du trône, et les anciens, et des quatre êtres vivants, ils tombèrent devant le trône sur leur face, et adorèrent Elohim. Verset 12, en disant, Amen, oui, Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Elohim pour les âges des âges. Amen. Verset 13. L'un des anciens prit la parole et me dit, et ceux qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Amen. Verset 14. Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe. Alléluia. Oh, alléluia. Le sang de l'agneau immolé. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Que son sang continue à nous purifier en profondeur. Amen. Ah oui, que le sang du Machia, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Alléluia. Toi que du Seigneur. Que le sang du Machia en toi brise en toi toute maladie, que les maladies qui sont cachées en toi, alléluia, que tout ce qui détruit ta santé, alléluia, soit, alléluia, neutralisé, alléluia, consumé par le sang de l'agneau qui coule, oui, dans la vie, dans le corps de tous ceux qui lui appartiennent, amen, car nous appartenons bien sûr à Jésus-Christ, amen. Regardez la suite, qu'est-ce qu'il dit? Verset 14, et je lui dis, Seigneur, tu le sais? Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe et ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Eh oui, oui, blanc, plus blanc que neige, c'est pas ce blanc-là. Voilà, ça c'est pas ce blanc, ça c'est un blanc terrestre. Amen, oui, c'est pas ce blanc-là, c'est pas ce blanc-là que vous voyez. Non, c'est un blanc spirituel. C'est un blanc éternel. C'est un blanc qui n'a pas pareil sur terre, en fait. Amen. Donc, celui qui persévère, toi qui persévères, eh bien, sache que oui, oui, on sera plus blanc que neige. C'est magnifique. Amen. Donc, ici, c'est écrit, hein, verset 15, Apocalypse 7. C'est pourquoi ils sont devant le trône d'Elohim. Parce qu'ils ont blanchi leur robe dans le sang pur. Sans défaut, sans tâche de l'agneau immolé Jésus-Christ. Amen. Donc ils sont dignes. Donc ceux qui vont combattre le bon combat, achever la course en gardant la foi, ben, bien sûr, ils se tiendront devant, alléluia, le trône de Yahweh. Le seul vrai Elohim, le seul vrai Dieu, le créateur des créatures, de tout l'univers, de tout l'univers en tout cas. Amen. Oui, un seul créateur. Yahweh des armées, le Elohim d'Israël. Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, bien sûr, qui est l'incarnation, la manifestation du Dieu invisible. Oui, d'après 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Elohim, donc Dieu, a été manifesté en homme. Eh oui! Alléluia, amen. Donc cet homme, bien sûr, c'est l'agneau immolé, Jésus-Christ. Amen.
Et ici donc on apprend quoi? Ceux qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau, ben seront dignes de se tenir devant le trône d'Élohim. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône s'adressera à sa tente sur eux. Amen. Ils n'auront plus de faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne tombera plus sur eux, ni aucune chaleur. Verset 17, parce que l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les guidera vers les sources de vie. Et Elohim essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, prends courage, accroche-toi. Oui, la marche en Christ est faite des épreuves, des difficultés, c'est pas facile physiquement, mais regarde le Seigneur. Amen. Restons au pied du Seigneur et lui va nous justifier. Le Seigneur va te justifier. Le Seigneur, voilà, ne nous abandonnera jamais si nous, bien sûr, on n'abandonne pas. Oui, le Seigneur est fidèle. Donc, si toi, tu es fidèle, il demeure fidèle, même dans les épreuves, dans les difficultés. Surtout, ne quitte pas sa présence, en fait. Que rien ne te sépare de l'amour du Seigneur, comme dit le bien-aimé Paul, le dit dans Romains là-bas. Ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, que personne, ni ton mariage, ni ton ministère, ni ta femme, ni quoi que ce soit, ne puisse te séparer de la présence, de l'amour. Alléluia, de notre Elohim, Yahweh des armées. Oui, l'Éternel des armées, pour qu'on se comprenne bien. Le seul vrai Elohim, le seul vrai Dieu. Eh oui, bien mes frères et sœurs. Donc accroche-toi. Amen. Sois vrai avec le Seigneur. Fais confiance au Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur. Laisse-toi guider par le Seigneur, même si parfois il y a des incompréhensions, parfois. Oui, même dans le mariage, même parfois avec les bien-aimés, parfois on ne se comprend pas. Mais toi, regarde le Seigneur. Parce que si ce que tu fais, le Seigneur est d'accord, à la fin, les gens diront oui, oh oui. Amen. Ils diront amen. C'est même ceux qui hier t'ont traité de faux, ceux qui t'ont insulté, ceux qui t'ont critiqué. À la fin, les bouches qui t'ont maudit, les bouches qui t'ont dénigré, les mêmes bouches vont, oui, bénir, te bénir. Parce que le Seigneur finit toujours par justifier les siens. Donc voilà pourquoi on ne soit jamais, oui, coupable devant le Seigneur et aussi devant les humains. Parce qu'à la fin de fin, le Seigneur, oui, va te justifier. Parce que nous appartenons, oui, au sang de la Nouvelle Alliance, le sang de Machia. Et le Seigneur veille sur ses brebis. Amen. Donc, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas avoir peur. Non, regarde le Seigneur. C'est très important. Amen. En tout cas, sois encouragé, sois béni. Voilà. J'ai vraiment ça, en tout cas, partager pour encourager quelqu'un. Amen. Parce que je sais que ce n'est pas facile pour beaucoup. Mais le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Amen. Donc, ne lâchons rien. Le Seigneur nous aime. Amen. Voilà, bien, en tout cas, soyez béni. Et que dire? Alléluia. Alléluia. Je serai plus long que la mer. Alléluia. Que son soit béni. Alléluia. Le soleil est bon. Alléluia. Ô Jésus, ton sang précieux. Ça, c'est un chant merveilleux. Un chant puissant. Un chant qui élève l'agneau. Pas les chants qu'on entend aujourd'hui, des chants païens. Des chants chrétiens remplis du monde. Amen. Ça, c'est des chants qu'il faut. Des chants inspirés. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. De la croix, maintenant, je vais. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il a fait le prix pour nous. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Descend de l'agneau. Je sais.
long que la mer. Lavé, alléluia. Lavé le son de la neige. Alléluia. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. La volé. Je serai plus blanc que la neige. Oui, le Seigneur a payé le prix. Alléluia. Je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ton sang précieux qui aujourd'hui a fait de nous ton peuple. Alléluia. 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 Ça c'est des chants merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur pour ton sang. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis. Que cela vous garde en tout cas. Allez, paix sur vous. Shalom. Que la grâce, la paix, l'amour, la présence de notre Seigneur recevoir Jésus-Christ vous soit multipliée. À bientôt. Shalom. Soyez bénis. Merci. Au revoir. Merci Seigneur.